The technology absolutely exists and it's everywhere. I mean, it's all over TikTok. I want to go live because this is what pain looks like. Fuck the fucking internet. It should not be part of my job to be harassed, to see pictures of me nude spread around. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. That deepfake was so good, I thought it was Joe Rogan actually speaking. This is bad. This is literally a danger to all of us on a worldwide scale. Could you imagine how many issues could possibly be caused if this technology becomes readily available to everybody? Je suis arrivée dans un truc, mais le multiverse. Il existe des tas et des tas et des tas de photos montage de mes photos Instagram où en fait des gens utilisent Photoshop, j'imagine, pour retirer mes vêtements. Depuis quelques mois, un nouveau phénomène qu'on imaginait jusque-là réservé aux films de science-fiction a envahi les réseaux sociaux. En décembre, une traîne toute mignonne et innocente est apparue sur Instagram, où on a pu voir absolument tout le monde poster son avatar en mode héros de BD futuriste ultra BG. Le tout, en seulement quelques clics, grâce à une application d'un nouveau genre, qui atteint les 4 millions de téléchargements en quelques jours. Au même moment, YouTube s'est enflammé autour de la sortie d'un nouvel outil révolutionnaire, ChatGPT. Les YouTubeurs ont enchaîné les vidéos totalement excités par ses capacités. Écrire un livre entier, créer un programme sportif sur mesure, ou encore répondre automatiquement à ta place à tes messages Tinder. Ce nouveau phénomène, c'est l'intelligence artificielle. Et elle est loin de s'arrêter à cette explosion récente qu'on a pu voir sur les réseaux. Puisque maintenant, un nouveau genre de musique totalement inédite arrive sur TikTok. Dans ce TikTok devenu viral, on entend la voix d'Ariana Grande chanter Kill Bill de Zezé, alors qu'elle n'a absolument jamais chanté cette musique. Et Ariana Grande n'est pas une exception, puisqu'il en existe avec un tas de chanteurs, et même avec des personnalités publiques qui ne chantent même pas. De nouveaux comptes de célébrités sont aussi apparus sur la plateforme, comme le compte de Robert Pattinson, qui cumule plus d'un million d'abonnés, où on le voit danser, faire des tours de magie et montrer ses tenues du week-end. Alors que Robert Pattinson a déclaré n'avoir jamais enregistré le moindre TikTok. La raison ? Toutes ces vidéos ont été générées par une intelligence artificielle. Des vidéos tellement réalistes que même les proches de l'acteur ont cru que c'était réel. Plus étonnant encore, tu peux maintenant écouter les présidents américains jouer à Minecraft sur YouTube. What's up, Joe? It's been pretty fucking annoying if I'm being honest. Trump called me Sleepy Joe for the 1000th fucking time and now the media is on my ass. The fuck up, Sleepy Joe. I'm surprised your ass isn't in bed already. Donald, there's no need to be rude. It's 3 p.m. Même si toutes ces vidéos sont absolument hallucinantes par leur réalisme, que ce soit par la modélisation des visages, des voix ou même des intonations, et que toutes ces utilisations sont ludiques et innocentes, on peut remarquer que tout le monde n'est pas vraiment amusé par l'arrivée de ces jouets 3.0. Au contraire même, de nombreuses streameuses et youtubeuses dénoncent leur utilisation ultra toxique. Et les médias les qualifient comme de nouvelles armes d'illusion massive qui pourraient chambouler le monde entier. Mais alors, pourquoi ces intelligences artificielles sont-elles si dangereuses? Mais surtout, comment peuvent-elles littéralement détruire la vie de chacun d'entre nous? Mais avant, je tiens à remercier le sponsor de la vidéo, CyberGhost VPN, puisque les nouvelles technologies dont on va parler dans moins d'une minute ne sont pas les seuls dangers d'Internet. Tu peux aussi être victime de piratage ou de sites malveillants. Chaque heure, 140 attaques ont lieu. Et CyberGhost, qui est un VPN, autrement dit, un réseau privé virtuel, te permet de t'en protéger en chiffrant toutes tes données et en redirigeant l'intégralité de ton trafic internet via un tunnel sécurisé. Et ce, sur tous tes appareils, puisqu'un seul compte te permet de protéger jusqu'à 7 appareils. C'est super simple à utiliser, compatible avec tous les systèmes, Windows, Mac, Android, etc. Et ils sont notés 5 étoiles sur Trustpilot. Du coup, ça serait dommage de t'en priver et de ne pas protéger tes données. Surtout avec une garantie 45 jours satisfait ou remboursé, un support disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7, et pour le prix de seulement 2 pains au chocolat, soit 2,03€ par mois, puisqu'en utilisant mon lien disponible en description, tu bénéficies de 83% de réduction et 4 mois offerts. Driven her bus full of passengers straight to her property, missing 3 scheduled stops to confront Idris. Kim discovered Idris in the garden and attacked him with potted seedlings. Breaking the internet really made us take a hard look at our behavior.
I admit, I did move some of Kim's things. I'm sorry about that, yeah? T'as déjà entendu parler de cette nouvelle série au casting incroyable? Adele, Usain Bolt, Beyoncé, Kim Kardashian, Harry Kane, Rihanna, toutes les plus grosses stars mondiales sont réunies. Le concept? Une sorte de télé-réalité où tu peux les suivre télétravailler en pyjama depuis leur petite maison mitoyenne jusqu'à ce que tout dégénère et qu'ils se livrent une véritable guerre de voisinage. Comme Greta Thunberg, qui est devenue folle après que Conor McGregor et Ariana Grande aient laissé leurs décorations de Noël jusqu'en plein juillet. Le truc, c'est qu'encore une fois, aucune de ces stars n'a joué dans la série, puisque toutes les images et les voix ont été générées grâce à l'intelligence artificielle. Et le problème, c'est que les chanteurs, acteurs ou stars mainstream ne sont pas les seules victimes du phénomène. Il y a quelques semaines, des photos du président Trump, se faisant arrêter par les autorités, presque traînées au sol, ont fait le tour du monde entier. Et récemment, c'est Emmanuel Macron qu'on pouvait voir, au milieu des flammes dans les rues parisiennes, se battre avec des manifestants, ou encore ramasser les poubelles. Bien que tout ça n'ait jamais eu lieu, au premier coup d'œil, ces images paraissent ultra réalistes, au point d'avoir fait tous les gros titres, et que de nombreuses personnes avouent au début y avoir cru. Et c'est tout le problème, parce que même si ces images sont fausses, leurs conséquences, elles, sont bien réelles. Et alors que les fake news et la désinformation sont déjà un véritable poison des réseaux sociaux, avec de véritables répercussions politiques, sanitaires et sociales, au point que les jeunes confient ne plus savoir discerner le vrai du faux et ne plus savoir à qui faire confiance, imaginez quand maintenant, des photos, des audios ou même des vidéos peuvent venir les soutenir comme des preuves intangibles qui pourtant n'en sont absolument pas. Dès 2018, Obama tentait de nous mettre en garde dans une vidéo devenue virale avec plus de 9,4 millions de vues. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, President Trump is a total and complete dipshit. Enfin, même si ces mots venaient plutôt du vidéaste Jordan Peele, l'intention reste la même. Prévenir des conséquences désastreuses de l'arrivée des deepfakes dans nos vies, qui au-delà de vidéos créées de toutes pièces pour influencer massivement l'opinion publique, comme ça a été le cas d'une vidéo de présentateur télé américain défendant les positions du Parti communiste chinois, pourrait bouleverser l'équilibre interne des États, influencer les marchés financiers ou le résultat des élections. Et même si pour le moment, la qualité de certains détails les trahissent encore, ça ne sera bientôt plus le cas. Avec le développement ultra rapide de ces nouvelles technologies, il sera bientôt presque totalement impossible de déterminer le vrai du faux. Alors bien sûr, une nouvelle méfiance de la part du public existera, exactement comme on sait tous maintenant que certaines photos peuvent être retouchées. Le problème, c'est qu'à cause du fonctionnement naturel de nos cerveaux, elle n'agira que dans un sens, envers les informations qui vont contre nos croyances. Pourquoi ? À cause du biais de confirmation, qui automatiquement nous pousse à considérer comme vrai tout ce qui confirme ce qu'on pense déjà, et au contraire, à douter ou à instinctivement considérer comme faux tout ce qui nous contredit. Et ce, presque indépendamment de la qualité de la preuve qu'on nous présente. Mais le pire, c'est que le problème ne s'arrête pas à la propagation quasi inévitable des fake news. Puisqu'en réalité, on peut tous être la cible de ces nouvelles technologies et voir notre vie anéantie. Donc très clairement, il y a des gens qui utilisent mon contenu posté sur les réseaux pour faker des faux nudes de moi. Il existe aussi des photomontages plus poussés. On va prendre le corps d'une actrice où on vient photoshopper ma tête dessus. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur du problème. En janvier, les révélations du Jufit 4 ont fait l'effet d'une bombe. Dans cette vidéo, cumulant plus d'un million de vues, elle confie qu'un nombre incalculable de nudes d'elle, dans toutes les sortes de positions et situations possibles, tournent sur Internet. Alors qu'elle n'a tout simplement jamais pris ses photos. Et le problème, c'est qu'elle ne se limite pas à un simple montage grossier. Elles sont parfois franchement réalistes, au point que même son propre mec y a d'abord cru. Et son cas n'est pas une exception. Il y a quelques mois, la streameuse Magla confiait « Il y a des discords dédiés aux fausses nudes et de mecs qui se branlent sur des streameuses avec des partages de screen live plus faux montage. » Et suite à son tweet, de nombreuses autres streameuses ont commencé à prendre la parole sur ce phénomène tabou qui est littéralement en train d'envahir Internet. Et déjà que ces photos peuvent ruiner des réputations, briser des relations ou détruire leur santé mentale, avec l'avancée de ces intelligences artificielles, on pourra bientôt voir de fausses vidéos d'elles, en live, avec leur visage et leur propre voix. Et le pire,
c'est que n'importe qui peut être touché. Puisqu'alors qu'avant, il fallait une immense base de données pour créer un deepfake, maintenant, il suffit de très peu de données. Et à une époque où on poste plein de photos de nous en vacances sur Instagram, où on danse sur TikTok, où on envoie 30 000 vocaux à nos potes, et où on se prend sous tous les angles en story Snapchat, il peut suffire d'une personne mal intentionnée pour voir notre vie basculer. Parce qu'avec son développement, cette technologie devient maintenant accessible à tous. Et ça ne se limite pas à des nudes de toi qui peuvent faire le tour d'Internet en quelques secondes. Parce que j'ai vécu une petite histoire pas drôle. Pendant la dernière campagne présidentielle, il y a des mecs qui ont fait un deepfake de moi soutenant Zemmour. Et je sais pas combien de gens m'ont envoyé en me disant j'en reviens pas que tu soutiens Zemmour. Mais ça va faire des problèmes légaux. Hein. Ah non, mais ça va faire énormément de problèmes. Donc si je peux prouver à la police que j'ai pas dit ça, c'est pas mal déjà. Le véritable problème, c'est que les gens pourront te faire dire absolument tout et n'importe quoi. Et bien sûr, les conséquences sur ta vie personnelle et professionnelle peuvent être désastreuses. Plus étonnant encore, ton compte bancaire peut lui aussi être atteint. Parce que même s'il était encore possible aujourd'hui, avec de la prudence et du bon sens, d'éviter de tomber dans le panneau des tonnes d'arnaques qui circulent, d'ici peu, tu devrais être un véritable expert du FBI. Puisque ce sont maintenant des personnes avec la voix de tes parents, de ton mari ou de tes amis qui peuvent t'appeler pour te demander de l'aide. Et les entreprises sont déjà des cibles connues de ces arnaques. Avec la fraude au président, qui a causé une perte de plus de 500 millions de dollars. Le principe ? Grâce à l'intelligence artificielle, une personne appelle un membre de l'entreprise avec la voix de son président. Et vu qu'il a préalablement récolté plein de données précises sur l'entreprise, il lui demande d'effectuer un virement bancaire qui paraît totalement crédible. Reconnaissant la voix, les intonations et la manière de parler du président, l'employé s'exécute. Et pouf, l'argent a disparu. Alors bien sûr, on peut espérer que les gouvernements réglementent rapidement leur utilisation. Pour ne pas découvrir des photos de nous nus sur Internet, s'entendre dire les pires horreurs du monde ou voir notre compte dépouillé. Le truc, c'est qu'on va être honnête, les politiques ont souvent un train de retard sur les nouvelles technologies. Et surtout, dans notre univers où le monde entier est connecté, les lois de quelques pays ne suffiront jamais à enrayer le phénomène. Mais, à notre petite échelle, on garde une arme précieuse, la connaissance. On doit être conscient des dangers, et plus que jamais, remettre en question ce qui se joue devant nos yeux. Parce que même s'il est presque inévitable de voir cette nouvelle ère arriver, c'est de notre responsabilité de ne pas nous laisser berner. N'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description pour profiter de ma réduction et être sûr de naviguer en toute sécurité avec CyberGhost. Et en plus, ça te permet de débloquer un accès illimité à tous les contenus bloqués pour seulement 2,3€ par mois. Pas mal, non? Et si tu veux découvrir comment un autre danger d'Internet, Twitter, détruit toute une génération, je te laisse cliquer sur cette vidéo.